C'est moi qui provoque. On essaie de conserver dans une intégration de mouvement les deux éléments. Donc, très souvent, on voit quelqu'un fait boum. Alors, il est en train de penser qu'à frapper. Alors que la position, quand il fait ça et quand il fait ça, a laissé donc deux ouvertures. Une ouverture d'attaque ici et une ouverture d'attaque ici quand il est au-delà du mouvement. Là, il n'y a pas une ouverture, c'est Hasana Kamae. Hop, il n'y a pas d'ouverture, c'est Gedan no Kamae, ici. C'est pas toujours, comment dirais-je, parfaitement aligné, mais chaque fois, la coupe passe par les Kamae. Okay? Donc je vais Jodan, Gedan. Jodan, Gedan. Hasso, Gedan. Hasso, Gedan. Waki Kamae. Wakiyamae, Jodan, Wakiyamae, Jodan, Seigan, Seigan. Chaque fois, il y a un contrôle du mouvement et une intégration de la coupe par rapport à un Kamae. Là, si vous loupez l'un ou l'autre sur chaque coup, en avançant dans votre position de Hamu. Donc ça vous permet d'exercer les coupes justes, les kamae justes. La deuxième étape qu'on a entamée, c'était de prendre une frappe et maintenant créer une situation où la distance est vraie. Il revient à l'attaque. Et cette attaque, maintenant, vous étudiez spécifiquement des techniques avec lesquelles vous pouvez traiter la condition, la situation. Donc, il faut que je fasse quelque chose ici. Je ne peux pas rester là. Et lui, son rôle, c'est évidemment de travailler à travers. Si je prends juste des coups, je pourrais envisager un mouvement d'ancré. Donc là, vous avez tout de suite 8 possibilités. Les techniques plus spécifiquement qu'on a regardées, c'était ici, Chokusan Inimi. D'un côté, à droite et à gauche. Okay, donc ça vous faisait déjà 4, enfin je vous laisse élaborer le nombre de mouvements que vous puissiez faire. Okay. Donc, en résumant, deuxième, Kraiten, en ouvrant, en tournant. Le troisième, c'est pas, l'ordre n'est pas important, c'est chaque fois quelque chose de différent. Sankaku Inimi. Alors vous avez tous fait ça déjà. Ensuite, Inimi. Okay. Tournant, ensuite ici. Ah oui, il y avait Kirikaishi également. Ici. Ici.
ce qu'on a fait au cours de la semaine. Allez-y, revisez. Ça. Ok. Watch out. C'est dangereux celui-ci. C'est juste basé sur le mouvement du corps. Dans l'espace qui est créé par le sabre descendant, vous contournez et vous rentrez. C'est pas une fuite, c'est pas une tentative de faire un saut. C'est bon. Allez-y. Concerne pour l'équipe, pour le contrôle de la main. Ici, vous ne faites qu'avec le sabre. Et le principe, il est le même. Donc, si je faisais comme vous avez fait tout à l'heure, comme ça, en essayant d'esquiver, ça ne donne pas le même résultat. Et si je le faisais comme ça, ça me donnerait ça. Ça n'a pas de sens. Donc, l'idée que vous voulez créer ici, là, et oh. Okay, donc ici, et ici. Juste le contrôle de la personne, le contrôle de sa position. Ça répond à ta question, c'est ça. Autre chose? Nothing? Oui. En fait, je me rends compte que dans tout l'exercice, je me suis trompée, je l'ai placé par en dessous, oui. C'était pas au-dessus. Le principe, ça. Oui, le principe, il est respecté. C'est encore ce que je vous dis, le principe en est une chose et la manifestation technique de ce principe peut être très très variable. Et ça c'est juste. Si vous remarquez, en fait, ce que vous venez de faire par rapport à ceci, sans casser les limites, vous êtes en train de le faire simplement maintenant avec ceci. Et si vous le faites avec la main, c'est toujours le même entrée. Ça va? Donc c'est pas très bien. Autre chose? Ok, on va mettre, choisissant deux, et on va les mettre ensemble pour l'entraînement. Alors, deux, lesquels des deux? Alors, on éloigne un peu. Vous pouvez le faire. Vous avez les deux pressés. Donc, mettez ensemble simplement les deux, vous ne devez avoir aucun problème pour répondre
quelle que soit l'attaque de sa part. Je prends un peu plus de distance. Je reviens maintenant 5 à coups limite. Et je vais pour attaquer, et là, Chokusen limite. Ça va? Il suffit de choisir et être clair sur votre choix. Alors, va pour moi, là, je veux absolument que ce soit mon corps que tu cherches. Donc, la distance, elle est juste, ok? Bouge pas, tu vas avoir le signal. J'utilise toujours le corps comme cible, et le ken, il me protège juste pour lui permettre de travailler. Voilà un exercice. Sinon, Kili Kaishi, très souvent, vous le pratiquez de cette manière-ci. J'enlève le corps et le ken devient simplement un amortisseur. Vous pouvez le pratiquer également. Et pom. Non, pas là. Non, non, reste là. Voilà trois façons de pratiquer un même mouvement avec un caractère. Okay. Le pied, rond, derrière, sans tourner. Dès que je tourne, ça lui donne lui le dessus dans l'action. Droit. Rien de votre côté, normalement il tourne aussi. Yes. And are fragile. The other thing is all the veins come to the surface in the joints. Okay? So anatomically, when you cut, donc anatomiquement quand vous coupez, comme les veines, les ligaments, etc. et la fragilité de l'articulation sont tout près. En coupant, il y a un effet fulgurant immédiatement. Vous pouvez couper des muscles ou des choses comme ça qui n'auront pas le même effet mortel. Enfin, mortel, c'est ça. Donc, le plus efficace, c'était les articulations. En coupant. Alors, ce que ce n'est pas, là où est le sang. Ça va? Chokusen enimi. Sankaku enimi. Tenkan enimi. Enimi. Tenkan. Kiri kaishi. On a fait Kaiten. On a fait donc ici ce matin. Et on a fait ça va? Voilà, allez-y, librement, vous essayez de retrouver.